Je suis ravie aujourd'hui de célébrer comme il se doit la Journée internationale des droits de la femme. L'AFEM se mobilise au quotidien pour faire évoluer ses droits. L'un des droits fondamentaux est de pouvoir entreprendre et d'être autonome financièrement. Pour ce faire, nous nous engageons au quotidien à travers nos actions pour faire sauter ces verrous psychologiques et faire développer ce potentiel entrepreneurial de la femme. Nous avons choisi aujourd'hui la thématique de Nouveau Monde, Nouveau Regard, parce que la Covid-19 est passée par là et que pour pouvoir survivre et rebondir, nous devons impérativement nous remettre en question, revoir notre business model, revoir notre vision entrepreneuriale. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'avoir pu signer cette convention avec l'AFEM. Vous savez, entre les adhérents de l'AFEM et les adhérents de la Chambre française, il y a beaucoup de convergences et beaucoup de points d'intérêt et de mobilisation partagée. Donc nous avons aujourd'hui la concrétisation de cette mobilisation partagée. L'idée, c'est de mettre en avant les compétences des uns et des autres, de favoriser finalement la création d'entreprises, favoriser l'émulation d'entreprises. Et c'est la raison pour laquelle, c'est notre raison d'être à la Chambre française de commerce. Et je crois que c'est un sujet de mobilisation également pour l'AFEM. Donc nous le faisons de façon très concrète, avec des groupes de travail qui vont fonctionner, avec des avantages qui vont être donnés aux adhérents de l'AFEM, qui deviendront adhérents également de la Chambre française de commerce. Eh bien, nous allons, en termes d'avantages, nous allons permettre en particulier aux adhérents de l'AFEM de bénéficier de conditions commerciales très avantageuses sur des prestations données par la Chambre française de commerce. Vous savez que dans notre mindset et dans nos actions, nous avons un certain nombre d'actions au service des entreprises, des événements à monter, des forums à réaliser, des formations à mettre en œuvre, des études de marché possibles. Eh bien, tout cela va pouvoir être réalisé au bénéfice, je veux dire, des adhérents dans des conditions commerciales très intéressantes.